Aujourd'hui, je suis arrivé à Dakar pour un événement très important qui va commencer le 20 juin, qui est le procès de Hissène Habré, dont je me suis battu depuis 25 ans. Et voilà, c'est le moment où le monde parvient à connaître ce que Habré, avec sa police politique, a fait au peuple tchadien. For those of us who've been working on the case, it's historic. This is the first time ever that the courts of one country, Senegal, are going to be prosecuting the former head of another country, Chad, for alleged human rights crimes. Hissène Habré was the dictator of Chad from 1982 to 1990. He's accused of thousands of political killings and systematic torture. Souleymane Gengeng spent almost 3 years in Hissène Habré's prisons, and he saw dozens of prisoners die around him. Nous nous sommes concertés avec mes collègues, on a créé l'association et nous avons mené des enquêtes auprès des orphelins de veuves qui sont des victimes indirectes et nous les rescapés des victimes directes. Nous ne sommes pas des gens qui voulons la vengeance, mais nous voulons la justice. Si je pouvais lui demander qu'est-ce que je lui ai fait, qu'est-ce que nous autres pauvres femmes, on lui a fait pour qu'il fasse ce mal-là. Il nous a fait mal. Il a tué nos maris. Ils m'ont arrêté en 1985. J'ai fait 2 ans et demi en prison. À chaque jour, on me torture. À 2 h, 3 h du matin, on me torture, on m'enlève, on me torture, on me tape, on me met des électricités. J'ai même des séquelles là. Même si je ne pars pas à Dakar, mes amis partent. Donc je suis très très content. C'est comme si moi qui est là-bas. Je suis ici le porte-voix de tous ces milliers de victimes qui sont au Tchad et qui ont la grande soif d'attendre ce procès, de comprendre ce qui s'est passé. Qui a fait quoi? Pourquoi a-t-il fait? The legal case has always been strong. What we've had to fight for 16 years was to create the political conditions for the case to go to trial. People who were thrown in jail because they were from the wrong ethnic group or for they were political opponents, who came out of jail and have been writing history since then, have actually been the architects of this campaign to bring their former dictator to justice. Ça va être un grand rendez-vous. Hein? Ouais, c'est un grand jour pour nous. Après 25 ans, c'est pas toujours aisé. Hein? Mais il faut le faire. Nous sommes arrivés au bout du tunnel, comme on le dit.